Right. Hello, my name is Bénédicte Jeannot. I'm going to introduce myself because I work here actually. And so I work at the Water and Biodiversity Directorate. Donc je vais essayer de vous brosser un panorama de l'action du panoramic view of if I can get my J'espère un panorama le plus complet possible dans le temps imparti, même si, comme ça a été évoqué, beaucoup d'initiatives en cours aujourd'hui, avec aussi la forte volonté politique sur le sujet des déchets marins. Donc en première partie, je vais vous présenter les actions qui sont menées au niveau international, européen, national, c'est-à-dire les dynamiques dans lesquelles s'inscrit le ministère. On va bien parler plus en détail du plan biodiversité, du comité interministériel de la mer également, et les actions clés qu'on va mener. Et ensuite, je vais parler de l'application des associations et ONG. Et je finirai par quelques diapos en focus particulier sur l'Afrique, qui est suivie par une autre direction au sein du ministère. Mais bon, voilà, je pourrais déjà vous en présenter quelques points. Donc ça pourra, je pense, faire un panorama assez global. Alors, au niveau international, on s'inscrit à la fois au niveau programme des Nations Unies pour l'environnement, donc au niveau ONU. Au niveau également des conventions de mer régionales, donc on a une présentation d'une convention de mer régionale OSPAR, on a également une intervention sur d'autres conventions de mer régionales, et puis on intervient aussi au sein de d'autres groupes internationaux. Pour commencer par l'ONU, donc on a une assemblée des Nations Unies pour l'environnement qui est annuelle, et à laquelle la France porte ses positions, donc les positions portées sont principalement à la prévention des déchets avant qu'ils arrivent en mer. Donc, dans cet instant, il y a une multiplicité de pays et des situations très, très diverses. Nous, on essaye vraiment d'avoir une position relativement dynamique où on essaye de négocier pour avoir des actions mises en place sur la base des meilleures connaissances disponibles et sans attendre d'avoir toujours plus de connaissances qu'on estime qu'on a déjà suffisamment de données pour pouvoir agir. All the knowledge we need, we have enough to be able to start acting on this issue. And at the moment, the assembly, in fact, in the coming 2 weeks, negotiations are underway. Not everything has been validated politically, so I can't really say a lot about that. But we are wondering what would be the best tool or instrument to deal with plastic marine litter. Inclusion de la problématique dans les traités ou conventions déjà existantes, conventions de Bâle notamment, etc. In existing treaties and conventions or create a specific one. All this has been discussed on the UN level. And then if we move on to the regional seas convention, you've heard about OSPAR this morning, and we also have the Barcelona convention, which is an action plan with some flagship actions and varying actions. Au niveau de la France et au niveau d'OSPAR, on a été impliqué pour ce qui est, on a produit des documents pour ce qui est l'interdiction des sacs plastiques à usage unique au niveau des distributeurs des magasins. On a également produit un des documents sur tout ce qui est déchets issus de la pêche, puisque c'était en lien aussi avec nos travaux nationaux. Et donc, plus récemment, puisque la réunion s'est tenue hier, comme Pedro l'a dit, on a produit un meeting with Held yesterday and a document on the subject. We produced a document on which is plastic pellets and the measures that could be taken on the scale of OSPAR countries. Au niveau des dialogues avec les parties prenantes. Donc, on a une première réunion hier avec les arriving in the marine environment and working with industrial firms, with NGOs as well. Numerous recommendations have been suggested that could be proposed to the committee. So that will be the decisional level of OSPAR. There are other conventions within which marine litter could be dealt with, but we are concentrating more on OSPAR. And there are other international groups or agreements. We're under the French presidency of G7, so we're working with our Japanese colleagues who are presiding the G20. And
what actions could be undertaken on these levels, G7 or G20, and we're trying to work within the organized events to talk about these issues and to talk about other actions implemented in, for example, the MacArthur Foundation for Management of Plastics. I've noted other agreements or conventions that of Basel, for example, already mentioned, and then we talk about microbeads that were a recommendation was issued on that subject within the ICRI, the International Coral Reef Initiative Program. And France is also contributing to a number of funds to support these actions and in partnership with a number of countries and with a number of international projects. On the European level, we, of course, have the Marine Strategy Framework Directive and within Descriptor D10, marine litter. I'll talk more about that in my following slide, so I won't dwell on that just now. And then we also have, with respect to the plastic strategy on the European level, we have the single-use plastic directive, and I will again speak more to that in a moment. And there have been numerous discussions, very enriching on a European level, and we also have two directives within which the issue of litter, marine litter, could be involved. Is one for drinking water, and the other is for residuary urban wastewaters. Better drinking water quality, potable water quality on the European level, and thus protecting consumers and requiring less use of bottled water for European consumers. Also, with respect to the harbor reception facilities, le type de collecte et de traitement des déchets dans les ports et quel of waste collection quel coût on y mettait. Donc là, en fait, on a aux dernières négociations un système de tarifs global qui est découplé the more recent negotiations there's a sort of overall fee. We have to make sure that we're not that we are creating incentives and not discouraging fishermen from bringing back their waste to harbor. So that's what we can say about the issue on the European level. Nationally speaking, here in France, historically, we have the Grenelle Environmental Fora and Summit meetings, which led to our laws for the environment and for the sea. Sur tout ce qui est mené en action de surveillance. Donc on a des objectifs environnementaux, on a des programmes de surveillance pour voir un peu l'état des eaux et les déchets au niveau des plages, au niveau de la mer et donc voilà, dans différentes strates de l'environnement. Et on a des programmes de mesures. Donc on a différentes mesures pour la problématique des déchets marins. Et on va également devoir définir prochainement les mesures pour le deuxième cycle du plan d'action milieu marin. Donc ça, ce sera aussi à définir avec les acteurs. Enfin, donc, dans tout ce qui est déchets marins, mais du coup plus globalement, se retrouve aussi au niveau national, dans tout ce qui est programme national de prévention des déchets, également présent dans la loi de notes, la loi sur la transition économique et la croissance verte. La loi biodiversité aussi, qui portait interdiction des cotons-tiges et des microbilles dans les cosmétiques. Et également, là, qui pose le principe de compatibilité entre les objectifs environnementaux de la directive 4 stratégie sur le milieu marin et les SDAG, donc qui sont plus des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, donc vraiment au niveau des bassins. Voilà. La problématique des déchets se retrouve aussi dans la stratégie nationale pour la mer et le littoral. La feuille de route économie circulaire, que j'aborderai un peu plus tard, et le plan biodiversité, donc je vais vous en parler juste après cette slide.
Alors pour vous parler un peu des actions qu'on a menées plus particulièrement, un peu les actions clés qu'on a menées récemment, donc on a tout ce qui est donc interdiction donc dans la feuille de route économie circulaire, tout ce qui est interdiction de mise sur le marché, développement de la consigne, mise en place de filières à responsabilité élargie du producteur et élargissement aussi des filières à responsabilité élargie du producteur pour inclure d'autres items. Et on a aussi tout ce qui est GT, groupe de travail de prévention et de sanction des déchets sauvages, pour lesquels en fait il y a un guide de bonnes pratiques qui va sortir à destination notamment des collectivités, toujours dans notre démarche de prévention au maximum des déchets avant qu'ils atteignent le milieu marin. Enfin, au niveau donc, du coup des déchets issus en lien avec la pêche, on a plusieurs diagnostics et études. Donc on a mené un diagnostic sur la mise en place de la gestion des déchets dans les ports. Donc ça, c'était pour voir un peu les points noirs au niveau de la gestion dans les ports. Donc là, on va avoir un copil de restitution pour vous, en courant avril, pour voir après quelles actions on pourra mettre en place pour résoudre et améliorer la gestion qui ont été identifiées comme problématiques. On a aussi eu l'étude pêche propre, donc en lien avec la coopération maritime et l'ADEME, pour en fait une étude de faisabilité sur la collecte et le recyclage des engins de pêche, donc chaluts et filets. Donc au niveau de la recherche-innovation, les études un peu et les recherches un peu phares qu'on a menées, c'est donc tout ce qui est études de biodégradation et toxicité en milieu marin. Donc ça, c'était lié à la loi biodiversité et à l'interdiction de microbilles en plastique dans les cosmétiques. Donc ça, on a été amené à étudier les critères de biodégradabilité qu'on pouvait exiger pour qu'un produit puisse être accepté dans les cosmétiques. Donc ça, en fait, c'est encore en cours, mais on se réfère à des normes ISO qu'on durcit pour assurer la biodégradabilité dans les différents strates de l'environnement. Mais c'est également des réflexions qui sont en cours au niveau européen. Voilà, donc première recherche là-dessus. Surtout ce qui est quantification des apports fluviaux, on mène aussi de plus en plus l'action en prévention, mais du coup aussi en amont de la mer, donc sur ce qui est voie de transfert. Donc on a eu différentes études, donc en quantification des apports fluviaux de macro-déchets qui ont été réalisés en lien avec le LESU, et la quantification des flux de macro-déchets issus des réseaux d'assainissement et inventaire des dispositifs pour éventuellement éviter et récupérer les macro-déchets. Donc ça, c'était en lien avec le CEREMA. Et donc, actions à mener seront en lien avec le plan biodiversité. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas trop détaillé tout à l'heure. On a l'objectif zéro plastique rejeté en mer en 2025, il faudrait rajouter. Et on a également le plan CIMER, donc très récent, de novembre 2018, qui en fait prévoit d'élaborer d'ici fin 2020 un plan de réduction de l'apport des macro-déchets et microplastiques à la mer, à l'échelle de chaque bassin hydrographique. Donc, mise en œuvre du plan à échéance 2025. Et donc améliorer la gestion des biomédias filtrants par les stations de traitement des eaux usées, et dès 2019, engager une démarche de dépollution des cours d'eau pour résorber les zones d'accumulation des déchets plastiques. Voilà, donc on a ces deux plans et ces deux objectifs, ces différents objectifs assez ambitieux, mais qui sont de toute façon liés. Et du coup, dans les actions à mener, pas uniquement, mais en quand même peut-être en priorité, mais du moins les grandes actions qui étaient nécessaires de souligner. Ça va être tout ce qui est action au niveau des voies de transfert, au niveau des fleuves et rivières, pour mettre en place les objectifs du comité interministériel de la mer et du plan biodiversité. Donc, c'est sur les voies de transfert, donc à la fois mise en place de dispositifs de prévention et de récupération, et également définir une surveillance pour ces déchets. Donc ça, c'est toutes des négociations qui ont déjà lieu en interne du ministère pour voir quels acteurs et quelle participation de nos différents partenaires à ces actions. Et on a aussi un workshop qu'on a prévu d'organiser et pour lequel on attend validation d'OSPAR là-dessus. On étudie la création d'un workshop qui se tiendrait au mois de juin sur la problématique d'une méthodologie pour le suivi des déchets au niveau des voies de transfert.
avec les donc du coup les experts de la zone OSPAR, donc qui réunirait à la fois nos scientifiques, mais également les scientifiques de la zone OSPAR pour échanger avec eux sur quelle méthodologie adopter. Ensuite, donc, action à mener une fois qu'on a mené toutes les études dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur les études de faisabilité et les études également des points noirs des gestions des déchets dans les ports. Globalement, ça va être de mettre concrètement en place ces études. Donc, à la fois la mise en place de la filière responsabilité élargie des engins de pêche. Donc ça, c'est on a la directive des plastiques usage unique et engins de pêche qui est là et qui nous impose à mettre en place une filière responsabilité élargie du producteur pour les engins de pêche. Donc à la fois pêche, mais également aquaculture d'ici 2025. Donc là, on va aussi donc mener tout ce qui est dialogue pour améliorer la gestion des déchets dans les ports. Et enfin, ce qu'on essaie de mener dans le cadre d'OSPAR, je vous ai parlé des granulés plastiques industriels comme étant une des actions. Une autre action qu'on va essayer de développer en France, c'est tout ce qui est développement de la pêche aux déchets. Donc ça, on va être en lien aussi avec nos opérateurs pour voir comment on pourrait organiser ça au niveau national. Donc on a déjà eu une première réunion de présentation du projet par Kimo, qui a aidé à la mise en place du dispositif au niveau européen. Et on espère bien développer ça très prochainement. Et enfin, on essaie aussi de travailler sur la localisation et la récupération des engins de pêche perdus ou abandonnés. Donc ça, c'est en lien aussi avec ce qui peut déjà être fait au niveau de la DCSMM, et notamment l'identification de zones d'accumulation au niveau de nos mers, pour voir après comment on peut potentiellement récupérer les engins de pêche ou également déchets de l'aquaculture qui peuvent être perdus. Donc enfin, actions de prévention et sensibilisation. Les actions de communication, donc on a on va s'inscrire dans la communication du plan biodiversité en plus globalement, mais on a également toute la communication qui est menée par Gestes Propres et sur la sensibilisation aux déchets en général et leur impact sur le milieu marin. On a également tout ce qui est action des associations qui font un énorme travail au niveau de la sensibilisation et du coup de la communication également quand il y a des nettoyages de plages. Mais ça, je reviens dessus sur la slide suivante. Les actions de prévention, c'est évidemment tout ce qui s'inscrit dans la loi FREC. Nos réflexions dans le cadre d'OSPAR sur la récupération et le confinement des sites de production de granulés plastiques industriels trouve aussi une transposition dans la loi FREC, puisque dans la loi FREC sera prévu en France des dispositifs de filtrage des eaux pour éviter la perte de granulés plastiques industriels, mais au niveau des eaux. Donc on essaie d'arriver vraiment en complémentarité avec OSPAR pour avoir donc d'autres actions pour traiter le problème un peu plus dans son ensemble. Donc là, je l'ai mis ici, mais bon, c'est plutôt un travail de recherche. On a également donc tout ce qui est donc le GDR polymère et océan. Donc une plateforme d'échange qui aura lieu. On aura une première partie plutôt conférence scientifique du 24 au 26 juin, et ensuite on aura tout ce qui est table ronde avec gestionnaires qui sont prévues du 26 au 28 juin. Voilà, donc déjà noté dans les agendas pour la participation. Alors, sur l'application des associations et des ONG, on a l'atelier déchets marins qui se réunit deux fois par an et qui est plus large que juste les associations, qui réunit aussi industriels, agences, opérateurs, qui est plus large, mais on essaie vraiment d'animer un réseau via cet atelier. On a également tout récemment, comme l'a déjà un peu annoncé Arthur, le comité France Océan qui a été installé le 10 décembre 2018. Et qui est en fait un groupe de concertation, et j'avance rapidement, sur l'environnement marin, et donc qui réunit les acteurs de la société civile, donc surtout ONG, pour discuter de ce qui peut être fait et être porté au niveau politique pour les déchets marins. Donc ça, il y aura un retour qui alimentera aussi l'atelier des déchets marins. Et les projets clés, donc c'est vraiment parmi d'autres, on a la mise en place d'une plateforme de sciences participatives, pour en fait coordonner toutes les opérations de collecte des déchets qui ont lieu sur les plages et les différents acteurs qui interviennent. Donc ce sera une plateforme qui permettra
d'identifier et de coordonner toutes les différentes actions et de récupérer la donnée de ces actions également, de collecte. Voilà, donc on a aussi un très gros travail de sensibilisation au niveau des nettoyages de plages qui est fait par les associations. On a également la mise en place de protocoles, donc notamment pour la méthodologie sur le suivi des fleuves, également donc par Surfrider, etc. Voilà, donc l'AFREC, donc publication de l'AFREC le 22 avril 2018, et en gros, donc en focus sur les mesures qui intéressent particulièrement la lutte contre les déchets marins, donc on a des mesures sur les mégots de cigarettes, bouteilles plastiques, dépôts sauvages, contenants alimentaires et granulés plastiques industriels, donc pour lesquels j'ai déjà pu vous en dire un peu deux mots, mais là c'est un peu plus en détail. Alors, et puis après, du coup, un focus sur la directive plastique usage unique. Bon, pour les mégots de cigarettes, pour votre information, donc on a eu Brune Poisson qui a convoqué les industriels du tabac pour demander de prendre des engagements volontaires. Et du coup, on a eu la décision en octobre 2018 de déployer une filière REP sur les produits du tabac. Et on a des études en cours au niveau de l'INERIS pour voir les filières de traitement et de recyclage actuelles. Et on a également donc, porté la filière REP auprès de la Commission. Pour ce qui est des bouteilles plastiques, je suis désolée, j'avance un peu vite, mais je pourrais prendre aussi vos questions et les transférer aussi à la DGPR sur le sujet. On a tout ce qui est travaux préparatoires, donc MTES, ADEM, CTO, pour un appel à manifestation d'intérêt pour expérimenter de nouveaux modes de collecte. Donc ça a eu lieu de juin à décembre. Et on a également donc, tout ce qui en fait lieu au niveau français aussi trouve aussi écho au niveau des positions qui sont portées au niveau de la Commission européenne avec des différents objectifs de collecte des bouteilles qui se retrouvent dans la feuille de route économie circulaire. Donc 100% de plastique recyclé 2025, objectif de collecte 77% en 2025 et 90% en 2029. Également des objectifs d'éco-conception, donc par exemple les bouchons solidaires de la bouteille pour éviter de générer des déchets. Pour ce qui est donc dépôts sauvages, je vous avais déjà parlé de deux groupes de travail, donc prévention de l'abandon des déchets et un groupe de travail police-sanction. Donc ça c'est tout ce qui est mené en lien avec l'ADEME, en lien avec Gestes Propres, pour voir comment travailler aussi avec les collectivités. Pour mettre en place des bonnes pratiques pour éviter que les déchets finissent dans le milieu marin. Donc concrètement, il va y avoir un guide qui va sortir à destination notamment des collectivités et qui recense les différents dispositifs qui peuvent être mis en place. Donc ça peut être, il y a également eu donc des sociologues qui sont intervenus dans ces groupes de travail pour voir un peu au niveau des comportements ce qui peut être fait pour améliorer le geste de jeter dans les bonnes poubelles. Voilà. Il y a des systèmes de coups de pouce, de nudge, pour par exemple avoir des systèmes de vote quand on jette ses mégots pour voter, pour ne pas les jeter dans la rue et plutôt faire des choses un peu pédagogiques et sexy pour le jet des déchets. Donc on a voilà, tout volet prévention et on travaille aussi, donc c'est plutôt donc, je dis la DGPR, mais surtout ce qui est sanction pour mieux avoir une sanction des décharges illégales ou des dépôts sauvages illégaux. Voilà, pour voir comment mieux sanctionner et comment les sanctions peuvent être mieux appliquées sur la problématique. Donc voilà, donc c'est vraiment une intervention sur ces deux niveaux. Voilà. Et ensuite, donc là, plus sur. Si on va commencer un peu plus à rentrer sur la loi, la directive plastique usage unique. Donc ça c'est sur les, on a des interdictions donc plastique oxodégradable et contenant en polystyrène expansé pour la consommation nomade, également sur les microbilles plastiques ajoutés intentionnellement à certains produits, demande d'interdiction portée auprès de la Commission dans le cadre des travaux préparatoires à l'élaboration de stratégie plastique et on a obtenu la prise en compte. Et on a également un rapport de l'ECA sur la possibilité d'une restriction de mise sur le marché sur la base du règlement REACH, donc qui est plus largement sur les produits chimiques, mais qui pourrait être utilisé pour la problématique des microplastiques. Donc ça, il y a eu un rapport très récemment, le 30 janvier, pour restreindre les microplastiques dans les cosmétiques, détergents, fertilisants et pesticides. Voilà. C'est pour ça aussi que nos objectifs du plan biodiversité de microplastiques dans les cosmétiques en fait, s'incluent aussi dans les négociations à l'heure actuelle au niveau européen. Et du coup, ça prend aussi un peu de temps de ne pas voilà, de travailler forcément au niveau uniquement français là-dessus. Ensuite, au niveau donc, toujours de la directive plastique usage unique, on a pour d'ici 2026
Donc une réduction significative de contenants alimentaires pour la consommation sur place à emporter, gobelets, couvercles. Interdiction de mise sur le marché de divers objets plastiques usage unique, donc couverts, touillettes, assiettes, coton-tiges, paille, tiges pour ballons de baudruche, contenants alimentaires, gobelets en PSE et plastique oxodégradable. Des objectifs d'éco-conception également, donc bouchon solidaire de la bouteille, on l'a dit déjà, incorporation de matières recyclées et des marquages et étiquetages obligatoires en 2021 sur divers produits. Et des objectifs de collecte et également du coup déploiement de nouvelles filières REP, donc produits du tabac, on l'a dit, donc également engins de pêche, lingettes humides, bâtons de baudruche, certaines catégories d'emballage. Et je pense que j'en ai fini. Ouais, je pense que c'est bon. Voilà. Il n'y a pas de slide de fin, mais en gros, c'est la fin. Merci.